sur 8 deuxième. Pas rester là, mademoiselle. Hein. Non, mais j'attends quelqu'un. Tu sais, Philippe, c'est bien de te donner à fond. Hein, et ça, je te reprocherai jamais. Ouais. Mais crois-moi, faut que tu te calmes. Ouais, je sais. Tu vas vraiment trop fort avec Gérard. Je sais. Mais qu'est-ce qu'il fabrique hein? En fait, je sais plus, là. Ça va me faire du bien de partir en vacances. J'arrive. Vas-y, repose-toi bien. D'accord. Et surtout, pense bien à ce que je t'ai dit. Oui, d'accord. Mezzo. D'accord, hein? Ciao. Oh là là, c'est cascadeux. Tiens, regarde bien le dernier assaut. Tu verras ce qui t'a manqué pour la finale. De la motivation, Alex. Merde, la motivation! D'accord, j'ai compris, maître. La motivation. Allez, merci pour la cassette. Ah bah tout de même. On avait dit qu'on la prenait bleue. C'était ça au pas de voiture pour les vacances, hein. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Tu touches pas les housses. Regardez ça, c'est monstrueux. Écoute, monte, on est en retard. Très bien. Ça commence très bien. Pas motivé. Ça, c'est sûr, je suis pas motivé. Bah bien, bien sûr, voyons. Comment tu vas voir si je suis pas motivé? Je leur pétais la tronche à tous ces branques. Ils voudront plus venir, entre les Français. Ils voudront plus venir, je serai tout seul. Il y aura eux là et moi loin devant, tout seul. Alors comment ça s'est passé aujourd'hui? Comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Écoute, j'ai pas tellement envie d'en parler, alors tu roules, hein. Ok, on ne s'énerve pas, on part en vacances. En fait, ça t'ennuie pas si on passe la nuit à Gardanne? Attends, mais c'était pas prévu, ça. Mais pour une fois qu'on peut partir tous les deux 15 jours en vacances, on va pas aller chez ta grand-mère. Oh, écoute, Philippe, 2 jours chez ma grand-mère, c'est pas l'enfer. S'il te plaît. D'accord. À la tête de l'équipe de France, Jolie, je serai tout seul. Et ça, vous ne plus venir. Moi, je serai tout seul. Voilà, avec mon épée, voilà. C'est incroyable. Il touche pas l'autoradio, il est tout neuf. Non, mais on peut rien toucher dans ta voiture, là. Qu'est-ce que je fais, là? Je vais dans le coffre, je mets les patins, puis je bouge plus, c'est ça? T'as pas l'impression d'être ridicule, là? On n'est plus au cinéma, d'accord? Bon, tu vas pas faire la gueule toute la journée. Non mais vous êtes complètement dingue! Vous êtes malade de conduire comme ça! Oh non mais... Mais il a rayé! Philippe, il a rayé! Non mais regardez-moi ça! Vous n'avez pas vu que j'étais déjà engagée? Et le code de la route, ça ne vous dit rien, non? Si, globalement, ça me dit quelque chose. Refus de priorité. Je suis désolée, mademoiselle. Oh non mais dites que c'est de ma faute! Oh, bah c'est bien les hommes, ça! Non mais c'est pas croyable, hein! Écoutez, mademoiselle, calmez-vous. Vous avez grillé une priorité, vous êtes en tort, c'est tout. Comment ça, je suis en tort? Ah, oui. Vous esquintez ma voiture toute neuve, avec votre tas de ferraille, et vous osez me dire que c'est de ma faute? Non mais j'hallucine! Je suppose qu'évidemment vous n'avez pas de constat sur vous. Pourquoi? Parce qu'en plus vous voulez faire un constat? Évidemment. Non mais c'est ridicule, vous allez perdre votre bonus, autant régler ça à l'amiable. Moi je fais ça dans les règles, pas de magouille, d'accord? Puisque je vous dis que vous avez forcé la priorité. Quelle priorité? Mais celle-là! J'étais déjà engagée dans le carrefour, crétin! Écoutez mademoiselle, vous allez me parler autrement parce que je sens que ça va très vite dégénérer, c'est vraiment pas le jour. Mais pour qui vous vous prenez là? Des menaces en plus? Je comprends pourquoi vous voulez régler ça à l'amiable. De toute façon, votre voiture, elle est tellement pourrie que ça sent l'arnaque, tout ça. Je suis sûre que vous n'êtes même pas assurée. Puis de toute façon, la priorité. C'est même pas grillé. Y'a que vous qui le dites. Bon, qu'est-ce qui se passe, là? C'est votre ami? Ben oui, pourquoi? Désolée, c'était vous ou elle? Non mais t'as vu ça? Mais il est complètement fou, ce type! Mais c'est un malade! Et il t'a frappé! Et en plus, il ne veut pas faire de constat. Non, mais tu te rends compte? Il veut régler ça à l'amiable.
Oh, Patrick, qu'est-ce que tu fais là? On va régler ça à l'amiable. Eh oh! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Arrangez-moi ça, soyez par idée. C'est faux pour te battre. Non mais Philippe, tu vas pas te battre pour ça. Viviane, tu me laisses régler cette affaire, d'accord? Si c'est comme ça, moi j'appelle la police. Vous êtes complètement malade tous les deux en face de ma grande gueule ici, oh! Ouais, et ça, ça suffit! Sans vouloir au contrarier, vous êtes plutôt mal tombé. Faites attention, vous allez blesser quelqu'un. Blesser? Vous êtes plutôt optimiste. Très bien, vous l'aurez cherché. Mais c'est pas vrai. Maintenant, c'est toutes les nuits. Toutes les nuits? Bah oui, toutes les nuits, il y a quelqu'un qui fait pipi dans le hall. C'est dégoûtant. Mais où on va, là? Excusez-moi, madame Arad, c'est quel étage? Quatrième gauche. Vous savez, le nouveau du troisième? Un grand noir, que c'est gentil. Tout juste. Bien, l'autre soir, je suis rentré tard et il était dans le hall. Bonjour, monsieur Polski. Bonjour, madame. La cave est ouverte. Oh, ben, c'est quand même dégoûtant. Et puis, vous avez vu mon balai dans quel état il est à force de frotter? Puligny Montrachet. 62, bah dis donc. Avec le brochet. Oui, pas mal ça. Et là, pour le gigot. Qu'est-ce que c'est que ça? Petrus 62. Eh ben, on va pas s'ennuyer. Bon, je vous laisse, je vois que vous êtes occupé. Oh, allez! On me s'appelle la police. J'aime bien ce que vous faites là, c'est spectaculaire. C'est normal, je suis cascadeur. Ah ouais? Vous êtes une sorte de doublure. Méfie-toi des doublures. C'est vous cette odeur de fond de teint de marché, hein? Ça ne vous gêne pas? Non. Non, moi ce qui me gêne, c'est la sueur. On est toujours trahi par ces orifices. Faites attention. Je vais vous en faire un autre orifice, moi. Mais faut pas être susceptible comme ça. Ça pue, ça pue. Une livraison pour madame Arad? Ah non, vous vous trompez. Madame Arad, c'est en dessous. Ah bon, excusez-moi. Bonjour madame. Il a la santé, le petit. Ça fait un peu sportif. Petit dans l'équipe de France, mon grand. Hein. Voilà. Mais tu veux qu'on aille chercher tes tennis? Tu seras plus à l'aise. Merci, vous êtes gentil, je préfère garder un handicap. Encore les bossus? Mais il y en a marre. Ils l'ont déjà passé l'année dernière. Eh ben, s'il leur passe, ça prouve que c'est un bon film.
En plus, Marais, qu'est-ce qu'il est beau. Marais. Ben quoi, c'est pas parce qu'il est avec Cousteau? Cocteau, Jean Cocteau. Bon, je vais faire un tour. Parce que ce genre de film, ça me fatigue. Bien paré, monsieur. C'est bien paré, ça. Arrêtez, messeigneurs. Des hommes d'armes qui arrivent avec tout ce beau monde autour de vous. T'es déjà rentré? Chut! Tais-toi. J'écoute. Allez, l'ami, regarde. Philippe! Philippe, arrête! Excusez-moi. Mais où on va? Elle a raison, mademoiselle. Vous vous énervez, vous vous faites du mal. Chut! Ne dissipe pas. Reste concentré. Tu vas encore glisser. Qu'est-ce que je fais? Regardez-vous, c'est trop tard. Ça aurait pu m'arriver à moi. Mais je ne suis pas vous. Heureusement, vous êtes tellement violent, tellement emporté, vous êtes incapable de vous contrôler. Ne me parlez pas de contrôle de soi. Je ne vous ai pas giflé, moi. J'aurais dû taper plus fort, ça vous aurait calmé, on n'en serait pas arrivé là. Vous auriez dû prendre l'ascenseur. Pauvre Dieu! Mais où on va, là? T'as bien fait de monter, hein? Ça va, vous n'avez pas le vertige? C'est pas vrai, t'as encore touché à la télécommande. Ah mais non, c'est pas moi mon chaton. Ah bah, ça doit être l'antenne. Ouais, sûrement, une antenne parabolique à 5000 balles. Et puis quoi encore? Ça se fait rare, les gens courageux. C'est pas le courage qui nous manque. Le temps de se connaître, peut-être. Je crois qu'on se connaît très bien, au contraire. Viens, on est fait sur le toit d'un immeuble, si tu... On n'a pas tous les jours l'occasion de rencontrer le partenaire. C'est vrai, depuis un petit moment, je commençais à me sentir moins seul. Et moi aussi. Je commençais à vous apprécier. C'est normal. Ah oui? Ouais. Il vous reste tellement de choses à apprendre. On n'est vraiment pas de la même famille. Pourquoi, vous êtes en manque d'affection? Non. Inspiration. Laissez-moi, je suis pas blessé, j'ai été bousculé dans l'ascenseur. Raison de plus pour aller faire des radios. Qu'est-ce que vous faites là? Lâchez-moi, mais où on va là? À l'hôpital. Sortez, circulez, y'a rien à voir, circulez, allez, circulez. Pas dans l'hôpital, c'est franchement pas le moment, allez, sortez. Mais je dois livrer ma sortez, maison, hein, moi. Non, sortez. Thank you.
perdez rien pour attendre. C'est quand vous voulez, mon vieux. Ah, mais je suis pas votre vieux.